Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On lance un petit stream ce matin pour jouer à Star Citizen parce que le PTU de la 3.5 est enfin ouvert en vague 1 aux subscribers et aux concierges. Vous allez remarquer que je ne vais pas parler très fort parce que je tiens à peu près à mes bonnes relations de voisinage et que mes voisins vont me tuer si je me mets à gueuler à 6h30 du matin dimanche. Donc on va parler tout doucement, mais j'espère que vous m'entendez bien quand même. Et on va décoller. Hein. Je suis déjà dans le jeu. Hop. Salut Gaïa. Et vous pouvez entendre Siri derrière qui gueule parce qu'elle a envie de sortir, mais j'ai pas envie de lui ouvrir la fenêtre alors qu'il est à 6h du matin dimanche, alors qu'il doit probablement faire un froid de gueule dehors. Du coup, ce qu'on va commencer par faire, c'est refaire le binding du Hotas parce que je crois que tout a été plus ou moins changé. En tout cas, plein de choses ont été changées. Donc, ce qu'on va faire. Donc, du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on strafe forward, backward, strafe, roll, ok. Cruise control, C. Alors, vous savez quoi? On va faire advanced. Et on va. Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour le. Évidemment, il n'y a pas de contrôle. Ils n'ont pas rajouté de contrôle pour le T16000. Ils sont pas rigolo. Bon, donc, on va se mettre en hotasse. Coup de Ragoon. Et alors un truc que je vais faire aussi, c'est que je vais baisser la musique. J'aime beaucoup la musique, mais voilà, j'aime bien m'entendre parler aussi. Alors, hop. Donc, on y va. Hotas, Advanced, et on va voir un peu ce qu'on va faire. Donc, bah non, ça c'est pas possible ça. Déjà, Eject. Hop. Je vais éviter de mettre un bind sur Eject parce que la moitié du temps, je vais le faire sans vouloir. Pareil pour ça. Alors. Pardon. Tout ça, je vais le laisser sur le tableau de bord. View. On va laisser comme ça. Hop. Alors, pitch, yo. Roll, ça, je suis d'accord. Alors, speed limiter. C'est nouveau ça. On peut limiter ça. On peut mettre un
Comme sur les voitures en fait, un truc qui t'empêche d'accélérer ou de... Relatif absolu et une crise des crises. Alors ça, je sais pas trop où est-ce qu'on va le mettre. Ah, est-ce qu'on peut tenter? Ah, oh, ça fonctionne, putain. Hop. Donc je vais le mettre sur un... La roulette, une roulette en fait qui est sur mon... Sur ma manette des gaz, ça. J'ai combien de gigas en mage? Alors j'en ai aucune idée, Gaïa, parce que j'étais en train de prendre un petit déj pendant que ça téléchargeait. Mais il paraît que c'est autour des 24 gigas. J'aurais fait la même chose pour les grenades. Hey. Ah non, les grenades, je vais les bind à l'endroit où j'ai dit de le bind. Alors, strafe up. Strafe down. Strafe left, left, right. Throttle forward, back. Alors. On va faire comme d'habitude, strafe up. Merde, mon slider du coup est considéré comme étant encore actif. Up down. Yes, attends. Qu'est-ce qu'il me fait là? Attends, c'est quoi? Non. No. Attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah ouais, j'ai un problème. Qui considère que ça c'est toujours en train de... Relatif absolu. Elle attend, mais parce que oui, attends, je sais pourquoi. Mais ouais. Ça va être chaud en fait. On va voir, on va tester voir ce que ça donne. Alors, strafe up, down, ça va être ça. Voilà. Strafe left, right. Merci Nalbuck pour le follow. Ok, throttle forward. On va remettre là-dessus. Attends, ce qu'on va faire, c'est plutôt hop. Hop, et ça. D'axis. Voilà. Inversé. Non, alors, speed limiter toggle. Ah, toggle. On va toggle ça, on va toggle ça là. Hop. GeForce Safety. Donc, ça, on va le remettre. Tout ce qui est. Ah, d'accord. Donc, du coup, ça. Afterburner. On va le remettre là où j'avais l'habitude qu'il soit. Salut B1. Ça c'est du stream un dimanche matin 6h, t'as vu ça un peu? J'avais le choix entre faire ça dans la nuit et être défoncé aujourd'hui pour tout ce que j'ai à faire, ou dormir un peu cette nuit et me lever tôt. Donc j'ai choisi de me lever tôt. Et tu reconnais B1. Landing System Toggle. Alors oui, ça c'est. Ça va falloir que je le mette quelque part. Je vais le mettre là. Attends. N16, Auto Land, on le vire, je l'utilise jamais. Quantum Travel System. Toggle. Hop. Quantum Drive. Ça c'est les trucs d'habitude. Alors Cruise Control, il va falloir le mettre quelque part. Les gens, alors ce qu'on va faire, je vais essayer de le mettre là en essayant de me rappeler que ça va être là. Ce qui est GeForce Safety, d'habitude il était par là, là comme ça, ah, right, SP, on va mettre ça. Ok, bon, on est pas mal. Vous allez voir que les trois quarts des trucs, j'ai pu me souvenir de qu'est-ce que j'en ai fait. Alors, aim, ça non. Rada fait la nuit, tu prends la relève, je suis pas prêt d'aller dormir. On va avoir un peu de mapping de tout ça quand même. La reticle focus, ça correspond à quoi ça? Merci Nasty Chaton, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue. Alors on va déjà faire cycle on targets. Pardon. Cycle friendly targets. Ah.
Je suis désolée, j'ai un truc dans la gorge. Non, Target Nesto Style. On va faire celui-là. Oui. Alors, les sub-targets. Où est-ce que je vais faire ça? Attendez, parce que là, il faut que je remonte mon micro, parce qu'en fait, je passe mon temps à me foutre les mains dedans. Alors. On va faire ça par là, les sub-targets. Oh, ta gueule, le chat. alors. Reticle mode, ça correspond à quoi, ça? Je n'en ai aucune idée. Et launch missile. Non, on va pas le mettre là-dessus, hein, launch missile. Il va falloir ne pas oublier d'acheter le coda, mais complètement. Salut Conrad, ça va? Le prix du tour, c'est insane. C'est limite si je vais pas quitter Dimi pour mes couteaux entiers. bah en fait toutes mes alertes sont du Battlestar Galactica B1 pour le coup. Alors on va quand même le mettre là-dessus. C'est quoi que j'ai fait ici? Bouton 4, ok. Mining mode, on va le mettre là. Canning mode, on va le mettre là. Yes, mais pourquoi est-ce que t'as foutu ça là? Activate scanning. Ou le rapport avec toggle scanning mode, c'est quoi la différence? J'aimerais savoir. Je sais pas à quoi ça correspond ça. On verra. Alors, mining. Ça, ça va pas changer a priori. Weapons, alors. Well. Ah, ce chat commence à me courir sur le haricot. Alors, toc toc, ça c'est bon. Tac. Alors, cycle gimbal assist, standard gimbal, gimbal lock. On va le mettre par là. Alors, turret gyro stabilization. On va le mettre sur quoi ça? On n'a strictement aucune idée. Oh. Non, non, ma pap. Voilà, plutôt comme ça. Alors, Acquire Missile Lock, t'es mignon, tu vas te remettre sur ce truc-là. Secondary Fire. De toute façon. Launch Missile. Yes. Ah mais non, il ne veut pas me groupe tout, ça va être ça en fait. Yes. Alors, Défensif, Launch Countermeasure. Quoi? Bon, attendez, je vais ouvrir la fenêtre au chat parce qu'elle commence à me gaver. Je reviens tout de suite. Ah, attends. En plus, le prélude to war titille grave tous mes sens. Tu as vu la version live à une TV espagnole? Non. J'ai pas eu ça. Bon. Ok, shield level raise. Bon, ça, non, pour l'instant, on va pas le mettre. Alors, tout ce qui est power, pour l'instant, on va pas s'en occuper non plus. Lights. Non, ça va, on garde ça au clavier. On foot, on va garder les trucs au clavier. VA aussi, clavier, véhicule, on va rester au clavier. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai déjà sauvegardé ça. On va mettre T16000. T16K, PTU. Save. Hop. Bon. Écoutez, en route. Oh! Oh mon dieu! Alors. Déjà, on va faire une nana. Hein. Pas déconner. Alors, simple ou avancé? Avancé, faut pas déconner. Alors, donc là, on est sur le front.
Coucou Phoenix, vas-y pose un lien B1, pas de problème. Ah, ok, le visage est apparu. Donc là, en gros, ça veut dire que j'ai choisi ces deux têtes et que ça m'a donné ça. Ça, alors attends, je peux changer de tête, c'est ça? Je peux changer de tête pour choisir des fronts de gueules différentes. Alors si je choisis ça, ah, je peux être un slider, genre je veux... Oh, oh putain. Donc en fait, ça veut dire que je veux genre 30% de ce front-là. Et un peu de celui-là. Oh, c'est magique. Ok, alors très bien. Donc du coup. À ton avis, tu as la tête à droite et à gauche, et au centre, choisir entre les deux. Ouais, au centre, je pense de pouvoir, voilà. D'accord, en fait, ça mélange automatiquement quand tu fais au centre. D'accord, très bien. On va peut-être plutôt faire ça, ce sera plus simple. En termes de front, là, ça me paraît pas trop mal. Voir un peu de profil, ce que ça donne. Ok, on va dire les yeux. Les yeux. Alors, j'ai pas 50 millions de têtes pour les yeux, j'ai l'impression. Ça me garde les mêmes. Ça me garde les mêmes têtes. Ça. Ouais, je peux voir, je peux changer. Donc, par exemple, si j'aime bien les yeux. D'elle, par exemple. Celle que j'avais pris, ça. Ouais, on va prendre elle. T'as dit la tête de base est déjà pas mal, hein. Mais bon, on va essayer de faire un truc un peu différent. Je peux pas faire mélange de trois visages. Ça c'est le visage... Ah si, c'est un troisième visage ça en fait. Un troisième visage. Alors attends. Donc là j'ai le mélange des deux visiblement. Ça c'est Locke, pour une raison que j'ignore. Ouais, une fois que c'est au milieu les deux, je ne peux pas... J'ai l'impression que c'est plus ou moins un mélange de trois visages en fait. Ouais. Donc celle-là, elle est légèrement bridée. Mais ça dit, c'est pas trop mal en fait. Donc par exemple, si je fais moitié-moitié ces deux-là, ça met 0% de celle-là. Donc par exemple, je peux décider de mettre plutôt comme ça et plus de celle-là. Voilà. Et les yeux un peu plus ouverts, genre un peu en amande. Par contre, celle-là arrive à 0%, donc... Voilà. Après, je pourrais décider de mettre un peu moins de celle-là. Et un poil plus de celle-là. Ouais, non. Hop. Ok. Les oreilles. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant, hein, quand même. Bon, là, les oreilles en poil décollé, ça le fait pas trop, mais... Alors là, je ne peux rien faire, c'est 100% celle-là. D'accord. Donc là... Pourquoi je ne peux pas les faire? Ah oui, d'accord, ok. Rien. Voilà, on va te recoller un peu les oreilles. Nana, là, hop. Elle a même regardé des petites marques sur les oreilles. De quoi? Alors, est-ce qu'on lui fait des lobes? Taille de l'oreille. On va lui faire des oreilles pas trop grandes. Voilà. Hop. Et c'est clavé, hein, ouais. Ouais, on va voir pour les cheveux, effectivement. Ils ont peut-être pas fini
de faire toutes les coupes. Donc là, on est au niveau des joues. Alors, est-ce qu'il y a des joues qui me plaisent là-dedans? Donc là, j'ai l'impression que c'est celle que j'ai à droite. Attends, j'ai l'impression qu'elles font la gueule quand même. Alors, si je mélange avec ça, ça marche pas. Pourquoi ça me sélectionne pas la nana que je voulais? Bon. Déjà un peu plus fin. Perplexifie un peu par moment là. Alors si je décide de faire juste ça. Ah, je peux décider entre deux ou trois visages en fait. Ça, par contre, je peux plus bouger. C'est étrange. On voit forcément très bien comment ça fonctionne, mais... Tes tempes, pas des joues. En fait, ça dépend. J'ai l'impression que tu prends certaines parties de certains visages et que tous les visages n'affectent pas le même endroit de la joue, par exemple. Alors, au niveau... Alors, non, pas toi, déjà. Pas toi. On va prendre... Ouais, là, ça sélectionne pas le visage que je voulais, tu vois. Par exemple... Je veux elle là. Non. Ok, je sais pas bien. On va rester sur comme ça. Faudrait être profil aussi la gueule que ça. Hop. Ça c'est la longueur du nez, ça c'est l'orientation des narines, et ça aussi. Et le chat a fini ton petit tour. Ok, c'est pas trop mal comme ça, mais alors c'est bizarre que je puisse pas sélectionner la tête que je veux en fait. La bouche. Alors on va déjà faire la mâchoire en fait. On va d'abord faire la mâchoire. Je peux. Attends, parce que peut-être. Ah, en fait ça change pas là. Peut-être là, c'est assez étrange. Bon, c'est pas grave. Alors on va lui faire un peu de menton. Alors attends, j'ai pas le choix en fait. C'est faut mettre tout à 0% sinon ça. Ah alors attends, parce que là elle est quand même un peu rétrograde, on va lui mettre un peu un vrai menton, ça serait bien. Pas mal comme ça. Et on va lui changer sa bouche. Ouais, Phoenix. Bah après, ils ont, pour donner un truc plus réaliste, je pense qu'ils ont préféré faire à partir de scans de vrais gens, mais bon, on va faire une bouche un peu moins énorme. Ça me va très bien. Là, par exemple, on voit que c'est la largeur de la bouche.
plus ou moins, et ça. Ah, ça, c'est la largeur, ça, c'est la profondeur, j'ai l'impression, plus ou moins de la bouche. Ouais, ça fait des différences très minimes quand même, hein. On va tout mettre à zéro, on va voir ce que ça donne déjà ça. What? Ah oui, 0%, tu n'as plus de visage, très bien. Et toi, 0, tu n'as plus de visage. Ok. Pas trop mal. C'est vrai qu'on a du mal à réussir à trouver ce qu'on veut faire exactement. Donc ça, c'est quoi? Ah d'accord, c'est la forme de la tête. Ah, j'ai pas vraiment d'exigence à part qu'elle ait pas l'air d'avoir un crâne déformé. Ok. Ensuite, la peau. Pas très intuitif, faut un peu bidouiller, effectivement. Et j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc vraiment hyper différent de mon truc de départ, mais bon. Alors, attends. Moi ou ça marche pas là? Moi, ou je peux pas changer la couleur de la peau? Ah, si, quand même. Alors, en fait, il faut juste poireauter 3 heures. D'accord, très bien. Il faut juste poireauter 3 heures. C'est un peu trop clair, là. Non? Peut-être un jour. Ouais, d'accord. En fait, si tu sélectionnes pas, tu te mets juste sur le curseur à fond. Une nanotech. Peut-être cassée. Alors attends, on va se remettre au tout début. Voilà. Ça me perturbe, je comprends pas bien comment. Peut-être 5. Allez, vas-y, tu peux y arriver, je. Par contre, si ça met 3 heures à chaque fois pour faire le moindre changement, ça va pas le faire. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe là? En fait, tu sais pas si. Tu sais pas. Là, ça met tellement de temps à réagir que tu sais pas où ça en est là. Alors, c'est pas trop mal ça. Pas trop mal. Je sais pas quelle couleur j'ai choisi dans le tas là, mais ok. Si je me mets là, il se passe quoi? Oh, remarquez, j'aime bien cette couleur là. Ni trop clair, ni trop foncé. Couleur des yeux, alors on va pas faire violet. Non, s'il te plaît, reste. Fais-moi face. On va se mettre sur une couleur d'yeux à peu près normale. Non, nanotech, c'est pas normal. Il faudrait avoir 3,5 indiqué. Ouais, t'as vu ça, B1? Alors, je sais pas pourquoi les yeux ne changent pas. Est-ce qu'il y a des couleurs d'yeux normales en fait dans ce truc? Ça me perturbe, j'ai du violet, du rouge. Y a pas de un gris, simplement. Allez, les yeux, change, s'il te plaît. Parce que ce vert me fait un peu flipper. Je râle en mode dimanche matin, mais en fin de compte, les mecs de CIG sont torturés dans leur tête au lieu de nous faire un truc qui va droit au but avec des curseurs. Ah, ça y est. Alors. Putain, mais en plus, ce curseur est genre, mais pas précis du tout, quoi. Regarde, je clique dessus, il se fout au milieu du truc. Voilà, bleu comme ça, c'est pas mal là. Allez, il faut un peu flipper ses yeux bleus, mais. Allez, les cheveux.
Ouais, celui de Levelna, il est plutôt bien fichu. Oh mon dieu, c'est quoi cette coiffure? J'aime bien cette coiffure de base, hein, très honnêtement. Donc on va voir un peu ce qu'il y a comme possibilité. Ah, puis ce curseur me rend folle là. Le curseur me rend folle, il se barre dès que tu veux appuyer dessus. Non mais c'est quoi ces coiffures de merde là, explique-moi. What? En fait, on a les mêmes coiffures que les mecs quasiment. Alors c'est ça que j'ai là. Ouais, tu sais quoi, on va garder ça. Oh putain. Oh, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là? Mon curseur ne... Ah, ça y est, le curseur ne veut plus venir avec moi. Qu'est-ce qu'elle donne celle-là? Non mais c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé celle-là. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ah ok. On va rester sur une coiffure qui ressemble à quelque chose à peu près. Ah, c'est pas mal ça, regardez. Pas trop mal. Pas ce que vous en pensez. Péter la gobina. Ouais, je pense que c'est déjà le son du... Oh merde. Oui, alors attends, non, 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 non. Merde, oui, c'est pas ça. En fait, ça met tellement longtemps à se mettre à jour. Curseur, viens. De quoi on va rester sur la coiffure de base. Salut, je souhaite. Non, mais non, mais non, mais putain, quoi. Oh. Regardez ça. Comment je peux pas m'aider avec ça? C'est pas possible. Allez, s'il te plaît. Merci. On va rester là-dessus, hein, les gens. On va pas se faire chier, ce sont les coiffures sont pour Ave. Alors. Ouais, trop de curves, trop de latence, je suis d'accord, tu sais plus où t'en es. On va lui faire des cheveux. Un peu dans les... Brun, roux, foncé, quelque chose comme ça. Non. Peut-être un jour. Alors ça, il va falloir qu'ils améliorent la latence parce que c'est vraiment extrêmement désagréable pour faire un truc quand ça met 3 heures à se... Alors, je ne sais pas, ça se trouve. Allô, allô. Ici la Terre, non. Ça se met à jour, on ne sait pas. Alors, attends. Non, on peut carrément y aller en mode noir. Allô. En fait, je sais pas si ça prend pas en compte ou si c'est juste que ça met 3 heures à changer la couleur, quoi. Allez. J'ai pas énormément de temps en fait, donc j'aimerais bien ne pas passer 300 ans sur le dire de personnage. Allez, le chat. C'est bon, t'es contente, t'as fait ton petit tour sur le toit. On a peur de vouloir me changer la couleur de mes cheveux. Visiblement, je n'ai pas le droit de changer la couleur de mes cheveux. Chat, s'il te plaît, arrête.
Bon, qu'est-ce que vous en dites? On la garde... On garde les cheveux comme ça. On va garder les cheveux comme ça. Allez, hop, review. Oh mon dieu, c'est quoi cette tenue? Non, quand même, ça me saoule les cheveux là. Tu veux bien me mettre des cheveux de couleur normale, s'il te plaît? Arrête de me sourire et change ta couleur de cheveux. Bon, écoute, tu sais quoi, tant pis. Hop. Oh, ça y est, ça a marché. Non, non, non. Eh non. Il va pas me faire les cheveux gris, c'est pas possible. Et ok. Ah, c'est bien, ça accepte. Accepte. Save. Mamie Lomé. Vas-y. Voilà, il est encore en train de réfléchir, c'est pas bon signe. Oh non, ça m'a encore changé ma couleur de cheveux. Oh mon dieu! Cette latence de merde! Non. Bon, ça pourrait être pire. Allez, s'il te plaît, là. Je... Là, attends, c'est vraiment pas normal. Hein. Il y a un problème. Allez, arrête de me regarder, là. J'ai envie de jouer. C'est beau quand même, c'est gentil, Doragoon. Peut-être, ouais, ce soit. Il y a peut-être beaucoup de monde dessus, mais bon, quand même, c'est rare que ça soit autant la merde. Je suis en train de me demander si je vais pas carrément relancer le jeu là, parce que c'est en train. Je sais pas ce qui se passe. Il se passe rien. Peut-être les serveurs doivent être totalement en PLS, ça se trouve, simplement. Allô, allô. Bon, vous savez quoi? J'ai peur en fait que si je relance le jeu, ce n'est pas sauvegarder mon personnage. Peut-être une mise à jour. Ah. Attendez, je vais regarder. Salut Howl. Oui, très probablement B1, mais bon quand même. J'aime bien la tête du personnage que j'ai fait là. Bon, c'est quoi? On va quitter. Tant pis. Tant pis, tant pis. On va relancer. Parce que. On va pas rester 300 ans coincés là-dessus. On relance. Juste faire un petit vérifier, vérifier qu'il n'y a pas une mise à jour. Je donnerai, mais bon. Et on va dire que ça aura sauvegardé mon personnage, hein. Allez. Optimiste, mais merci, Swat. En 3 jours, tu auras plus de possibilités, parce qu'honnêtement, c'est un peu limité pour l'instant. Ouais. On verra s'il rajoute des choses.
Ok, alors, univers. C'est bon, mon personnage a dû être sauvegardé. Donc, on y va. Là, on se calme. Calme le jeu. Alors, je n'ai plus de son. J'espère qu'on n'est pas sur un truc de chargement infini. Que quand c'est comme ça, souvent c'est que ça charge pas en fait. Ah si, c'est bon. Oh oui! Oh, par contre, je n'ai pas de. Ah oui, alors je crois que c'est un des problèmes quand on a un personnage féminin. Presse U, tout stand-up, sérieusement? Quand on a un personnage féminin, on n'a pas d'interface en fait. Il est pas très pratique. Déjà, j'ai bien un personnage féminin. Une bonne nouvelle. Ça n'a pas pris en compte mes cheveux. Mais c'est pas grave. Ça n'a pas du tout pris en compte mes cheveux. Je me suis demandé si ça a même pris en compte quoi que ce soit. Ouh, j'ai plein d'argent. J'ai l'impression que le jeu est en PLS. Tout ce qui est requête serveur est en PLS. Alors. Là, par exemple, il m'affiche pas mon personnage. C'est parfait. Je ne peux pas changer mes objets. C'est nickel. Alors, attends. Un truc que je vais faire, c'est virer les. Alors, attends. Où sont les hints? Non, je peux pas virer les. Ah, show hints, no. Voilà, ça commence à me saouler. U, ça fait quoi, U? Ah oui, U, ça te sort de ton siège, c'est ça, c'est plus H. Bon, d'accord, donc je ne peux pas changer mon équipement. Ça va être un peu embêtant. Ça a changé graphiquement. Y a un truc qui a changé, c'est assez étrange. C'est bizarre. Et je viens d'arriver en jeu citoyen, donc pour l'instant je n'ai pas encore pu aller sur Arcor. Je viens à peine d'arriver en jeu et ça merdouille déjà en fait. Je ne peux pas customiser mon personnage. Mon personnage n'apparaît pas. Je ne peux rien faire. La lumière est différente, ouais. J'ai l'impression. Il y a un truc bizarre au niveau de la lumière. Alors attends, non, c'est pas ça que je voulais faire. Au niveau graphique, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Déjà, je vais virer le motion blur parce que je déteste ça. Sharpening, on va mettre du sharpening. Bon. Alors. Destroyed. Bien. Ok, tous mes vaisseaux sont détruits. Tous mes vaisseaux sont détruits. Ok. Très bien. Attends, c'est quoi, je prends un screen? Hop. Purée. Ah non, c'est bon, stored. Alors, comment on va aller sur Arcorp? On va prendre un vaisseau qui va un peu vite. Je vais prendre mon. Alors, non. Un. J'ai trop de trucs.
Oh là là, il y a plein de choses. Je prends un freelancer. Oh, est-ce qu'on teste les nouveaux Reliant, les gens? Mais ça met 3 heures pour aller à Arcorp. Ah, on va quand même tester un nouveau Reliant. Ça serait... Ou est-ce que les trois... le nouveau 300, sinon? Attends. Origin. Ah non, j'ai que les 600 et le M50. J'ai pas le 300. C'est de la merde. Alors attends. Voilà, on va prendre le... Mais... J'ai demandé de... On va prendre le Reliant, lequel? Mako, Sen, Tana? Ou Core? Non, pas le Core. Ne te pose pas sur le support, ne t'approche pas trop du vide sur le toit d'un immeuble et ne va pas trop près de l'immeuble. Oula, ok, citoyenne d'univers. Alors attends, ce qu'on va faire. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. On va prendre le Sen, allez. Your ship has been delivered to the following landing pad. Il va falloir que je m'habitue au nouveau modèle de vol aussi. Oula, ça a l'air compliqué. J'ai l'impression que le serveur est réellement PLS. Tout ça pour ça. Putain, et ça me remet tout en destroyed quoi. What the fuck? Oh là 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 là. They start, On va retenter. One pad. Ah, B02. Très bien. B02. Ah, il y a du bug, hein. Ah, j'ai vraiment aucune interface quand je suis une nana, hein. C'est un truc de ouf. Ça va pas être forcément très pratique. Ooh. Alors. Donc là c'est la variante du coup scientifique du Reliant. Donc on a une espèce de boîte à gants là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Un microscope, une station là qui servira un jour à quelque chose peut-être. La salle de bain. Ah, j'ai aussi oublié de... Oh putain! Alors attends, ok. Donc là j'avance, je lui ai rien demandé mais j'avance. On est déjà en overheating, j'ai rien fait. Là j'accélère. Là je ralentis. Comment je fais pour m'arrêter? Je vous explique comment je fais pour m'arrêter. Non. Waouh. Alors attends. Ah ok d'accord, c'est à l'envers. Ok donc quand je fais ça je ralentis. Ah c'est n'importe quoi. Voir que je... Ok donc là je ralentis. Il va falloir que j'inverse mes commandes.
Et là, je vais en arrière. What the fuck? Oh, ça va être chaud les marrons, les gens. Ok, donc en fait, il faut que j'ai mon... Ah bah en fait, se tenir immobile, ça va être la galère absolue, parce que là, en fait, ça veut dire qu'il faut que... Voilà. Ça veut dire qu'il faut que je tienne mon throttle au milieu pour être à zéro. Ah, c'est n'importe quoi. Alors, attendez, déjà. Donc, si je fais ça, j'accélère en arrière. Ok, donc il faut juste que je... Il faut que je... Change... Là-dedans... non. Roll, il faut que je... Que j'inverse. Attends. Oh là là, putain, alors attends. Faut que j'inverse ça, je pense. Parce que je suis en mouse là, attends. C'est pas ça que je fasse. Tasse 1, tasse 2, ou tasse 3, putain. On va se mettre en haut, tasse 1. Alors. Ah, yes, on inverse. Non, ça a rien inversé du tout. Oh putain. Oh, ça va me saouler rapidement par contre. Où est le milieu? J'ai pas de... En fait, j'ai pas de milieu sur mon... J'ai pas de milieu sur mon throttle, donc ça va être la galère absolue pour le coup. Donc si j'avance, ça va vers l'arrière. Ce qui n'est absolument pas logique. Très bien, alors. Ouais, le son des vaisseaux a changé, effectivement. Mais là, j'essaye déjà de pouvoir faire fonctionner mon vaisseau. Pourquoi j'ai genre 4 rotas différents, là? J'en ai... Il joue avec le limiteur de vitesse, également, ouais. Alors... ça, je l'avais inversé, mais ça perd de marcher. Toujours pas. Comment je suis censée faire en sorte de pouvoir aller vers l'avant quand je throttle vers l'avant là? C'est pas possible quand même. Bon, ça me saoulait le jeu là. J'en ai aucune idée. Il y a, honnêtement, là, à part changer ça, je sais pas. Target Joy, tu as Target des Joy. Je sais pas de quoi tu me parles, Pista. Que je vais essayer de faire ça aussi parce que... Ah, j'ai joystick et joystick 1. Oh putain, alors ça parle de quoi? C'est quoi cette histoire? Ah, attends, je me demande...
Genre, joystick 1, c'est le truc et... Ça y est. C'est bon, j'ai compris. En fait, joystick 1, c'est mon joystick, et joystick 2, c'est mon throttle. Très bien, bon. Ok, alors maintenant... Ok, alors d'accord, très bien. Ensuite. Alors, il se passe un truc là, il y a des... J'avais mis ça en... Là, je suis dans une zone rouge là, voilà. Ok. Très bien. Ouais, donc ça va demander un temps d'ajustement quand même cette histoire. Donc, les gens, VarCorp. J'ai assez de carburant, mais tout juste. Voilà, Camus. Hop. Réussir à s'arrêter va pas être évident. Hein. À s'arrêter vraiment. Attends, reste dessus, s'il te plaît. Merci. Pourquoi ça n'y va pas? Ah, c'est bon. Oula. Ouh, le jeu a du mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas ramé comme ça. D'accord, Pista. En fait, je préférerais, bah, pendant qu'on est dans le en Quantum Travel, je vais voir si je peux pas trouver plutôt un système qui me permette. En fait, le fait de devoir avoir le throttle au milieu pour être à zéro, ça me saoule. Et est-ce qu'on peut pas plutôt avoir un système de toggle, je veux aller en arrière ou je veux aller en avant? Est-ce que ce serait pas mieux en fait? C'est ça, Autastrust Invert Toggle. Ah, normalement. C'est oui. Non, dans Cancel, c'est pas ça que je veux. Ah, je vais là-dessus. On va y voir. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que je mets? Réfléchis, qu'est-ce que j'ai comme bouton là? On va mettre ça. On va voir si ça fonctionne. Je vais sauvegarder. Ça marche mieux avec une touche d'inversion. Bon, on a un peu de temps, les gens. Sympa quand même.
Bah là, tu vois, en fait, B1, ce qui se passe, c'est que il faut que ma manette des gaz soit au milieu de sa course, en fait, pour pouvoir être à zéro. Si je vais vers l'avant, ça avance. Si je vais vers l'arrière, ça recule. Mais du coup, ça veut dire que j'ai que la moitié du chemin total de mon throttle pour pouvoir gérer ma vitesse, qui est hyper pas pratique. Parce que du coup, t'es pas précis. Du coup, moi, je préférerais pouvoir avoir l'entièreté de la course de ma manette des gaz pour pouvoir gérer ma vitesse. Et si je veux aller en arrière, j'appuie sur un bouton et là, je recule. Et vice-versa. Est-ce que je peux faire pivoter en Quantum? C'est une bonne question. Est-ce qu'on va faire crasher le jeu si je fais ça? Non, je ne peux pas. Ça marche pas. Par contre, je surchauffe. Alors, attends. Je vais virer les armes. Ah regarde, on a tous les propulseurs de manœuvre là. On peut et les propulseurs principaux qu'on peut activer, désactiver ou overclock. Enfin activer, désactiver pour l'instant essentiellement. Donc là j'ai désactivé les armes, on va espérer que ça permette de... Je peux pas avoir clock les refroidisseurs par contre. On est pas mal, je pense. Eh non, King, t'as vu, ça marche pas. Je pense que t'es bloqué en fait quand t'es en Quantum. Mais du coup, je vais tenter d'aller sur la planète, de rentrer dans l'atmosphère en mode. En mode à plat, parce qu'à mon avis, en mode comme je suis là, en termes de portance, ça va pas trop être ça. Ouais, voilà, c'est ça, Pistar. Faudra que tu fasses des tests un peu. On est en train de réchauffer encore, là? Ah, je peux désactiver mes boucliers aussi, à la limite. Je crois que c'est notre bouloir qui est bouclier. Dans Hit, on réactivera ça après. Là, on se calme le vaisseau, qu'est-ce que tu me fais là? On peut peut-être simplement aussi faire ça. Là, je suis complètement... sortie du canton. Non, il est pas complete. Ça, je peux te l'assurer, il est pas complete du tout. Alors, du coup. Ah, ça a l'air de mieux marcher, c'est bon. Ou pas, non. J'ai rien dit. Attends. Deux secondes. Je teste un truc. Alors non, ça m'a réinversé tout mon bordel, pour une raison que j'ignore. Ok, comme ça, très bien.
Ok, donc non, ça veut pas. J'essaie de comprendre ce qui m'arrive en fait là. J'essaie de voir si ça marche de faire le toggle aller en arrière en avant, mais en fait j'ai l'impression que c'est simplement... Oh putain, mais c'est injouable quoi. Attends. Recule. Enfin, ralenti. Ralenti, voilà. Alors, ok, très bien. Donc du coup, là je suis au milieu. Moi je pensais que ça me permettait de revoir toute la... Toute la... En fait, ça inverse juste. Ça inverse juste avant-arrière. Ça me permet pas de d'avoir toute la... Ah, c'est pénible ça. Ah, moi je préférerais faire 100% avant, 100% arrière, quoi, que j'ai toute la latitude de mon truc et que quand j'appuie sur un bouton, je vais en avant plutôt qu'en arrière ou vice-versa en fait, mais que je puisse avoir 100% de ma... Là, je, honnêtement, avoir que 50% de mon truc pour gérer ma vitesse, c'est pas possible, quoi. C'est pas assez précis. C'est juste pas assez précis. En audio, j'ai aussi... Non, je vais garder pour l'instant. Ouais, probablement pista. 100% plus 100% égale 100% impossible. Pourquoi B1? Je vois pas pourquoi ça marche comme ça sur Elite Dangerous. Quand t'es tout en bas, t'es à 0. Quand t'es tout au bout, t'es à 100%. Et si tu veux inverser, t'appuies sur un bouton et ça te fait juste la même chose, mais dans l'autre sens en fait. Moi, je veux juste pas avoir 50% de ma course du truc qui est déjà pas très grande pour gérer toute ma vitesse, c'est pas possible. Un grand véhicule, je m'en fous. Donc là, ça inverse juste le straight forward et back, ce qui n'est pas ce que je voulais. Peut-être ça, je m'en fous. Pousse contrôle, bouton 14. C'est lequel le bouton 14 déjà? Putain. De manière, ça, je sais jamais si c'est le bouton 14. Je me demande si c'est pas ça. Ok, c'est ça. Ça se met directement en vitesse cruise, ok. Ouais, c'est déplacer le point zéro, c'est ça que j'aimerais effectivement. Hey, on voit les nombres de G qu'on se prend dans la gueule quand même. Là, par exemple, j'ai 6 G d'accélération.
En plus, la course de mon Ota, c'est pas, enfin, est pas hyper. Enfin, de mon Strotol est pas hyper fluide, alors du coup, c'est vraiment très très pénible de. À gérer, quoi. Clavier, c'est plus simple en fait. Bon, on va repartir en vers Arcorp, mais je sens que ça va mettre un peu de temps du coup. J'ai un T16000. Fortitude, c'est quoi fortitude? Bah, tout est en train d'overheating. Le problème, c'est que on voit pas du tout la surchauffe là sur les. Je suis au max. Ah, alors attends. Je peux choisir éventuellement. Ah, je sais pas à quoi ça correspond en fait. Ping, ça va être le radar. Non, le problème pas matériel, je veux juste avoir 100% de la course de mon OTAS pour gérer ma vitesse, point. Je veux pas avoir 50%, c'est tout. Non, le chat commence pas à être pénible là. Et ça m'étonne qu'on ne puisse pas gérer ça en fait. Arrête le chat, oh! Ça marchait très bien avant. Et ça marche très bien sur d'autres jeux, donc pourquoi est-ce que là je ne pourrais pas. C'est juste qu'ils n'ont pas prévu l'option en fait. Ce qui est très pénible. Ce qui est très con. Ouais, j'utilise pas Target pour le coup, moi, Pista. Qu'est-ce que tu veux, le chat? T'as déjà eu à manger. On aurait peut-être dû prendre un vaisseau plus rapide, genre Freelancer, pour aller jusqu'à. Jusqu'au. Comment ça s'appelle? Jusqu'à un rest stop avant Arcorp et après prendre le Reliant pour descendre. Mais bon, ça aurait pris moins de temps quand même. Et il n'y aurait pas eu d'arrêt en cours de route. Est-ce que je peux voir mon personnage ou pas? Ou est-ce que c'est optionnel? Ah, ça y est, ça met juste 3 heures. Ok, très bien. Ok.
Ok, bon. Ouais, B1, bon. Honnêtement, je pense pas que ce soit si compliqué que ça à faire. Parce que finalement, là, ça veut dire que dès que je déplace ma manette des gaz de genre un demi centimètre vers l'avant, je vais déjà à genre 200 mètres seconde, quoi. Donc là, le besoin de précision pour aller à des vitesses faibles, c'est compliqué, quoi. Se poser, ça va être une galère absolue, en fait. Bonne nuit, Doragoon. Et bon, c'est des retours à faire à CIG, ça. Voilà. Un drame. Ah, je pense qu'on va pas tarder à sortir de Quantum à cause de surchauffe. Ça bug sur tous les streams. On va voir ce que ça donne chez moi, citoyen, du coup. Salut, super la bête, ça va? Ce qui est probable aussi, citoyen, c'est que je me crache comme une merde en rentrant dans l'atmosphère parce que je saurais pas contrôler mon vaisseau. Assez particulier? Non, non, B1, je suis pas d'accord pour le coup. C'est la façon de base dont ça fonctionne dans plein de jeux. Dans Elite, c'est comme ça que ça fonctionne de base. On va laisser refroidir. Ouh, je suis dans un champ d'astéroïdes. Où est-ce qu'on est? Quantum Travel Complete, non. Ah, donc ici, nous avons un champ d'astéroïdes, donc, au milieu de nulle part. Oh putain, oui, là, voilà, j'ai eu le réflexe à la con de d'aller à zéro pour m'arrêter. Ce qui est un réflexe à la con, du coup. Hop, parce que ça m'a fait partir en arrière. Voilà. Si au moins j'avais un marqueur sur mon truc qui me dit attention là t'es au milieu, un petit truc, un petit point d'arrêt que je sentirais avec ma main, ça serait bien. Mais même pas quoi, faut que je devine où est le milieu dans mon OTAS. Le bruit est sympa, le bruit du vaisseau quand même. Donc ici nous avons un champ d'astéroïdes, très bien. Et puis je me suis vraiment arrêtée au milieu hein. On va éviter de faire des cons parce que j'ai pas de bouclier, donc si je me prends un astéroïde dans la gueule, je meurs. Par contre, il faudra que je recalibre mon joystick parce qu'il est. Il est décalé là sur la droite. Sur la gauche. Salut RGT, hey. Je pense que beaucoup de gens se sont levés tôt ce dimanche matin du coup.
Bon, je pense que les derniers millions de kilomètres, on va pouvoir les faire d'une traite. Bon, je retiens que la prochaine fois, je ne prends pas un Reliant pour faire le trajet. Ouais, RJT. Alors, par contre, c'est un peu la galère pour faire un personnage. Les serveurs sont un peu en PLS. Tu mets 3 heures à pouvoir choisir tes customisations. Et j'ai même l'impression que mon personnage n'a pas été des masses customisées au final. Donc bon. Salut Nasty, comment tu vas? Donc, je retenterai tout à l'heure quand ils auront. Un peu régler le problème des serveurs en PLS. Et là, sinon, j'étais en train de râler sur le modèle de vol. La courbe de sensibilité du OTAS, ça peut être pas mal éventuellement. Éventuellement. Toc, 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 toc. Attends, mouse. Ce serait le 2 du coup. Alors, ouais, on peut voir. Attends, du coup. Je regarde aussi ce que on doit pouvoir gérer aussi avec le speed range éventuellement à quel point je veux pouvoir aller vite ou pas. On va voir, on va baisser un peu. On verra ce que ça donne. Ouais, B1, je sais pas. Je sais pas parce que, comme je t'ai dit, avec le même OTAS, j'ai la configuration qui me plaît sur Elite avec exactement le même principe en fait. T'as le choix entre décider que ton zéro est au milieu de ta course de la manette des gaz ou simplement d'avoir un zéro tout en bas et un 100% tout en haut. Et quand tu veux aller en arrière, t'appuies sur un bouton et ton zéro tout en bas, ça reste zéro tout en bas et 100% tout au bout, sauf que tu vas dans l'autre sens. Point. En fait. Waouh. Pour moi, ça me paraît pas très compliqué en fait. Alors le chat est mignonne, mais tu vas arrêter de... Tu vas te... Arrêter de là, alors. Donc alors, attends, power. On va remettre les boucliers. On va pas remettre les... On va pas remettre les armes, ça sert pas à grand chose. Moi, la texture est pas terrible. Bah là, on est côté... On est côté... comment ça s'appelle? Il y a un truc que je vais tester aussi avant. Là par exemple si je baisse ça... Oh! Attends, là je vais aller en arrière. Ouais c'est ça. Faut que je retrouve le milieu. Voilà, ok. Donc si je... En fait, voilà, là j'ai à peine glissé de genre 1,5 cm et je me retrouve à 200 au-delà de la zone rouge déjà. Voilà. Honnêtement, c'est ingérable. Hein.
en pratique. Il faut être précis de taré, quoi. Il y a un peu une grosse symétrie sur l'équateur. Ouais. Effectivement. Quand on regarde comme ça, c'est parfaitement. Ça va être assez symétrique, effectivement. Ça se voit beaucoup ici, en fait. On voit l'axe de symétrie. Alors. On se calme, moi je veux pas spoule quoi que ce soit, là. Je veux juste trouver une destination. Arc L2, donc ça c'est derrière. Où est l'area 18? C'est la question que je me pose là, voilà. Area 18 là-bas. Je peux sélectionner ça ou pas? On se calme. Oh, ça me le sectionne pas. Bon, mon joystick commence à être pénible là. Hop. Ça me le sectionne pas. Alors attends, on va faire autrement. Oh putain, alors ça par contre. Ah non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Bon, merci. Oh my god. Comment ils se sont débrouillés? Comment ils se sont débrouillés, putain? Ça marche très bien avant. Hein. Pourquoi ils nous font un truc à la noix comme ça? C'est ça, c'est de façon logicielle, B1, tout à fait. Bon, en fait, ça ne fait pas grandir Arcorp. Ok, donc je ne peux pas zoomer sur Arcorp. Je ne peux pas zoomer sur Arcorp. Très bien. Bon, bah ok, bah, on va pas zoomer sur Arcorp. Alors, on va y aller à la mano. Vu qu'il veut pas spouler. Enfin, il veut pas me l'accrocher comme destination. Oh là, on se calme, on se calme, on se calme. Je veux pas aller à 500, là. Enfin, remarque si peut-être que je veux aller à 500, en fait. Et alors par contre ce qu'on va faire, on va se mettre en position comme ça. Alors, on peut pas avoir des thrusters dans l'autre sens. Alors attends. Il me met déjà le warning near restricted area quoi. Je peux pas avoir les trucs dans l'autre sens tout en... Posters of rating, bah je veux bien ouais mais... oui ERJT. Alors on va voir, on va repasser en comme ça, on va voir jusqu'à quelle vitesse je peux aller. Parce qu'en fait, je vais pas me mettre en mode atterrissage, je veux juste... Je voudrais juste être à plat, en fait, sans me passer en mode atterrissage. Je pensais que ce serait possible. Donc là, je suis à mon maximum, 770. 800. 800, ouais. Ouais. C'est Afterburner. Ok, ça c'est quoi? Ça c'est rien, ok. D'accord, Pistar, bon on va tester. Ils arrivaient à cibler leur Haitin pour sauter ou pas? Ah ça y est, j'y arrive. Donc, je vais ralentir. Ralentir, ralentir, ralentir.
Ça te fait repasser en configuration comme ça, automatiquement. Bon. Voilà, 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 voilà. Ouh, c'est le mal. Oh, regardez-moi ça un peu. Wow. Oh, wow, oh, wow, wow. On va se mettre en position. C'est assez impressionnant en fait. Bon, par contre, on est en mode diaporama. Hein. Hop là. Alors, faire mon altitude. Alors, pourquoi est-ce que ma vitesse ne réagit plus là? Allez, c'est bon, j'ai eu peur. On va essayer de pas aller trop vite non plus. On va prendre notre temps. On sent que le jeu a un peu de mal là. Là, pourquoi je ralentis comme ça là? Ouais, RGT, je pense, effectivement. Alors, je sais pas pourquoi mon. Le. La vitesse tombe toute seule là, je suis au maximum. Je descends pas et la vitesse. Enfin, il ralentit tout seul mon vaisseau là, ça c'est étrange. Oui, ou canapé PTU open pour première vague, sub et concierge. À Stutley, il y a des turbulences dans l'atmosphère. Ouais, d'accord, B1. Et voilà, j'aimerais une solution logicielle. Ah, on est vraiment en mode diapo là, les gens. Regardez-moi ça. Le jeu est en PLS. En tout cas, je ne suis pas toute seule. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit pas la, on voit pas la zone de restriction là. Quand on est en hauteur comme ça, du coup, on a quand même une vue sympa. Ouais, on va voir King Pokori. En plus, là, j'ai placé mes propulseurs vers le bas, donc c'est censé me soutenir à peu près correctement. Là, oula, oula, j'ai eu peur. Regardez, il y a des pubs holographiques qui bougent et tout là. Donc la question étant, où est-ce qu'on se pose ? Ils vont prendre un peu d'altitude. Là, je suis un peu bas.
doit être là-bas, je pense, puis tous les vaisseaux. Il y a des gens qui sont partout là. Ouais, oh, on se calme là, je vais trop lentement. Je sais pas où est-ce que je suis censée me poser en fait. Landing service. Ah, ça doit être là. Là, on est au-dessus des... Est-ce que tu me donnes un endroit où me poser ou pas? Est-ce que je sais où je peux me poser ou pas? Je n'y vois rien. En plus, il n'y a pas de... Ah, là, là, oh, on se calme, on se calme. Oh, 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 le vaisseau là. S'il te plaît. Laisse-moi... Ah, il est encore en train d'essayer de me trouver un... C'est le serveur qui merdouille en fait. Impossible de se poser pour le moment. Ah, super. Super, ok. Alors, parfait. Et donc si je me pose à l'arrache, c'est juste mort. Ah, j'ai entendu quelqu'un exploser. Ok. On explose si on se pose sans demande. Très bien. Bah écoutez, dans ce cas, on va aller visiter... On va aller visiter en vaisseau. Salut Brieros. On a eu chaud les marrons là. Ah. Non, on peut pas aller partout, Kana. On va aller se poser en haut d'un immeuble. Mais on peut aller dans Area 18, après il y a dans les lieux prévus pour qu'on y aille quoi. Ah regardez, là il y a une zone de posée par exemple. Oh putain, elle est dessous. On va pas se poser là. La zone de... Elle est vraiment au niveau des immeubles. Hop. On va aller se mettre là-haut, là. Putain, c'est hyper chaud de gérer. Ah, j'arrive pas à me mettre à zéro, putain. Voilà. Attends, parce que là, je pars en PLS dès que je me mets en vue externe.
Ok. Ouh, bon, ok. On va éteindre le vaisseau. Si le jeu veut bien me laisser faire. Oh putain. Reste là. S'il te plaît, le jeu, laisse-moi. Oh merde. On a un problème. On a un problème de. On a un problème de. On se calme. S'il te plaît, laisse-moi. Merci. Voilà. Bon, c'est à peu près. À peu près bon. Dès que je passe en vue externe, ça rame. Ouais, mais je pouvais pas couper le jeu. En fait, dès que j'essayais de passer en mode interaction, ça voulait pas. Ça rame encore. Ok, voilà. Éjecte. Oh. Les mauvaises idées. Pas trop s'approcher du bord. Attends, je vais rester en FPS pour voir. Le sol n'est pas complètement solide. Ok. Eh, on a une belle vue quand même. C'est assez impressionnant quand même. Hein. On verra un screen interdit mort 5 fois. Le pauvre. Je vais essayer de faire un retour un peu. Ouais, je trouve qu'on voit aussi beaucoup les étoiles par rapport à ce qui. Et je peux pas beaucoup. Voilà. Ah, attends. Il y a des zones de brouillard un peu chelou. On va peut-être se mettre. On va regarder dans une zone où il n'y a pas de zone de brouillard bizarre. Comme c'est que là, si je vais là, je peux plus remonter après. Bon, attends, c'est pas grave. On va quand même prendre un screen là. Est-ce que je vais réussir en montant plus haut? Comme ça. Pour avoir le moins possible de toit dégueulasse sur mon screen. Voilà. Hop. Bon, par contre, les effets de brouillard limités avec des espèces de bulles immondes, là, c'est un peu immonde. On va aller voir de l'autre côté. Une forme bizarre ce truc. Ah, je peux remonter par là si jamais je tombe en dessous. Visiblement. Ok, d'accord, c'est bon à savoir. Oui, probablement RGT. C'est ce que je me dis aussi. Alors. Ah bah voilà. J'ai trouvé un trou. Bon, on va voir le fond de... On va voir le fond... Attendez, regardez, on va prendre des screens. Ça vaut le coup, là. Ah, et là, on tombe sous.
Harcorp. Oh. Là, c'est l'enfer. Les limbes où les âmes des PJ morts errent à tout jamais. Ou est-ce que je meurs un jour pour de vrai? Ou est-ce qu'effectivement je tombe éternellement? Voilà, merci. Et ça va pas être très agréable, effectivement. Oula, on se calme, on se calme. On se calme là. Ouh, tu fais des bruits bizarres. Ah bah je suis remorte. Ok. Salut Shogun. Ah je crois qu'en fait c'est un des bugs qui était marqué que quand tu meurs avec un personnage féminin, tu te retrouves dans une boucle de décès infinie. Ouais c'est ça voilà Phoenix. Et je crois que là le fixe c'est de relancer le jeu. C'est plus des trous aléatoires dans les textures, ouais, je pense, effectivement, King. Ah, j'ai quand même eu un joli screen. Est-ce que je suis morte? Oui, je suis morte, là. Voilà. Est-ce que ça va me refaire mourir une deuxième fois? Ouais, ça va me refaire encore. Regardez, on va faire quitter le jeu. On va quitter le jeu et on va revenir. Salut, Andy. Les personnages féminins ont des problèmes. De 1, on n'a pas le HUD au niveau du casque. Et 2, il y a ce problème de mort en boucle, effectivement. Tout à fait, Phoenix, tout à fait. C'est pour ça que j'essaie de rester relativement calme. C'est comme ça. C'est les aléas du PTU. On va espérer qu'ils nous fixent ça rapidement. Bon, du coup, on ne peut pas atterrir à Harcorp. Très bien. Ça limite un peu les possibilités, du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter les lunes, du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça roule, Shogun. Levé un peu tôt pour un dimanche matin, mais ça roule. Bah, c'était un peu comme à Hearthstone au début, hein. L'atterrissage c'est tout merdique et tout, on n'arrivait pas à atterrir et tout ça. La différence c'est que à Hearthstone tu pouvais atterrir en dehors de la ville et après aller à pied en ville. Là sur Harcorp c'est pas possible. Donc du coup, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un freelancer et on va aller se balader autour au niveau des lunes, des deux lunes d'Harcorp. Ouais, voilà, les hangars s'ouvraient pas, etc. C'est exactement le même problème qu'on a là. D'ailleurs, c'est rigolo de voir qu'ils ont exactement le même problème qui revient avec une nouvelle zone, alors qu'ils avaient résolu le problème pour Hearthstone. Alors, je sais pas s'il fonctionne différemment à chaque fois, mais c'est étonnant parce que finalement, tu dis le système est le même, mais ça rebug, quoi. On va voir si ce nouveau serveur est un peu moins en PLS. Allez. Ouais, ce soit. Bien d'avoir tous ces vaisseaux détruits de base. Ah, c'est bon, il est là. Your ship has been delivered to the following landing pad. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ils t'ont pris pour un ferrailleur. Unfortunately, ah. Our automated system is unable to access that ship at this time. C'est faux, il est là, je le vois, mon freelancer.
À moins qu'ils empêchent volontairement dans un premier temps de se poser sur une nouvelle planète. Ouais, je suis pas sûr, RGT. Ça plutôt de par là. On peut le faire ailleurs. En freelancer. Alors, est-ce qu'ils ont un peu réparé les vérins qui sont un peu happy? Oh oui, oh, regardez-moi ça, il ne se met plus à sauter dans tous les sens dès qu'on monte dedans, dès qu'on ouvre la soute. Oh, c'est magique. Merci. Et en plus, l'intérieur se charge correctement. Faut toujours pas ouvrir les trucs des composants. Oula, la verrière me fait un truc chelou, là, c'est normal ça. C'est reflet dégueulasse. Hein. T'as le reclaimer toi. Oh. Ah bah là il me met. Ok. Pourquoi est-ce que mon vaisseau s'envole? Non, il s'envole pas tout seul, c'est juste la barre qui. Oh, c'est quoi ça là-bas? Oh, on voit les tourelles. Oula, mais c'est quoi ces reflets de taré? Ok. Ok, et on a beaucoup plus de drift. Très bien. On se calme, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. On ralentit. Enfin, plutôt on accélère. Parce que là, je suis en train de partir en arrière. On accélère un peu. Voilà, ok. Donc très bien. On va partir sur Arcorp du coup. Again. Cette fois, on va aller sur les lunes. Faut que je recalibre mon joystick là. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais. Du réalisme. Ouais, si tu veux. Attends, un truc que je vais faire, c'est au niveau de la sensibilité de ma souris. Sensibilité de la molette. Elle est où? Advanced cam, c'est quoi? Bon.
Le vol du Quantum a été modifié, ouais, tout à fait. Regardez-moi un peu ce gros bébé qui dort là. Les Vanguard vont plus vite, ah ouais. Bah surtout j'espère que je vais pas avoir deux arrêts avant de... Sinon je peux faire comme tout à l'heure, je peux mettre off sur les guns. C'est une caméra pour le chat, ouais. King. C'est du génie. Ravi que ça plaise. Mais elle fait semblant de dormir, en fait elle me regarde d'un œil. Elle sait que je parle d'elle. Ah non, il y a quand même un arrêt au milieu. Bon, très bien. Bah, il y a un arrêt au milieu, écoute. Ce qu'on va faire... On va faire, c'est qu'on va M. Non. Tac tac tac. Power power. M, on va faire comme tout à l'heure. Enfin, on peut plus overclocker les refroidisseurs, par contre, visiblement. On va virer les armes. C'est déjà fermé. Ça, ça doit être le... Je peux pas l'overclock. Et bon. Ok, bah on va faire ça comme ça alors. J'ai pas essayé ERJT, mais à mon avis ça donnerait des choses à pas forcément très... très exploitables. Ah, ça resurchauffe déjà. Terrible. Après, je peux allouer plus de puissance éventuellement par là. On en vire pour les armes. Sorry, pousse. Ça pourrait être une solution. Tu vois, en 3.4, on pouvait overclocker le refroidisseur. Là, je peux plus. Par contre, je peux éventuellement le mettre en priorité supérieure. Non, ça marche pas. Là, ah, ça a marché l'overclock. Donc là, j'ai overclocké mon Quantum, donc avec un peu de chance, on va arriver plus vite, mais... En fait, il faudrait que je mette les Frost Star en priorité, mais je pense qu'on peut pas le faire quand on est en Quantum, en fait. Il faudrait que je mette les Frost Star en priorité supérieure par rapport à Daybreak, je sais pas ce que ça fait Daybreak. Est-ce que je peux voir... Daybreak, à quoi ça correspond? Ah, je peux pas savoir.
Attends, on va attendre. On va attendre que ça charge. Ça met un peu de temps. Voilà. Alors. Power plant daybreak. Ok, d'accord. Chimali machin, c'est les shield generators. Très bien. Par rapport au trajet, on a fait la majorité quand même. Non, je peux rien changer en Quantum, je pense, Shogun. En fait, faut les changements prennent effet quand tu les fais en dehors du Quantum. Il y a des moments où effectivement t'as l'impression qu'il y a des ratés dans le. Des moments où elle a fait Thruster's Power Low. Ça a fait une espèce de courbe là, vers le bas. Oh. Voilà, à nouveau dans le champ d'astéroïdes. J'ai l'impression que je m'arrête plus ou moins au même endroit. Je m'arrête plus ou moins au même endroit. On va attendre la fin du cooldown. Elle est trop choupie, t'as vu ça? C'est un petit diable, mais elle est trop choupie, c'est vrai. Mon chat est en vacances chez ta mère. Ah, ah c'est bien. Il sera content de te revoir après. La mienne, quand je la confie à d'autres gens, elle s'en fout totalement de moi. Quand je reviens, elle fait genre qu'elle est blasée. Autant que tu trouves un logement. Ah oui, effectivement. Tu peux pas la garder avec toi pour l'instant, c'est pas cool. De le garder d'ailleurs, c'est plutôt un mal. Siri, elle est fauve, elle fait genre qu'elle dort, mais en fait elle a les yeux à demi ouverts et elle me regarde, elle me surveille. Bonjour à coup. Alors ce PTU, eh ben on essaie de s'habituer au modèle de vol qui est assez différent de ce à quoi on a l'habitude. Et puis Arcorp n'est pas encore vraiment visitable pour l'instant. On peut pas se poser sur Arcorp et en se posant sur les immeubles au-dessus, on va dire qu'il y a des trous de façon aléatoire dans les textures, donc on meurt assez facilement. Donc du coup ce que je fais là, c'est qu'on va plutôt aller visiter les lunes d'Arcorp pour l'instant, en attendant qu'ils nous réparent un peu la planète. Donc j'ai l'impression que alors, le freelancer va plus vite du coup que le Reliant. Et par contre t'as besoin d'arrêt intermédiaire également.
Et c'est vrai qu'il y a une vieille symétrie dégueulasse sur la planète quand même. Hein. L'équateur là, c'est t'as une symétrie toute pourrie. Ils sont pas emmerdés. Alors. Du coup, vous voulez Lyria ou Ala en premier? Ouais, on va faire Lyria déjà. Et par contre, je vais réactiver un certain nombre de choses. Alors, les armes, on s'en fout, mais par contre, on va réactiver les boucliers. Voilà. Hop. Ouais, pour le coup, c'est vrai que la symétrie de la planète se voit vraiment beaucoup. Voilà, alors, hop. Non. C'est pas ce que je voulais faire. On se calme. Oh my god. Ok, tout va bien. Tout va bien, je ne vois rien. Attends, on va régler notre vitesse. Ah ok, donc là je suis en mode entrain atmosphérique. Très bien. Je ne sais pas à quelle vitesse je vais. À quelle vitesse je vais, ça se met pas à jour. Je sais pas à quelle vitesse je vais. Ni restricted area, tu te fous de ma gueule. Alors attends. Wheelers, Shubin Mining Facility, The Pit. The Pit, sérieusement? Ah, vous savez quoi? On va y aller en mode... ce que je voulais faire. Pourquoi ça m'a pas fait ça quand je suis arrivée sur Arcorp? Alors attends, ok, bon. On va y aller en mode... on va essayer de pas trop faire de la merde, mais... Oh là là. On voit pas du tout à quelle vitesse on va, on sait pas à quelle altitude on est, en fait c'est tout cassé. Et ça vole à vue. Et puis le bruit est monstrueux. Je suis en train de réveiller mes voisins. Parce que du coup je parle trop fort. L'atmosphère elle est violente même. J'ai l'impression d'heurter des murs en permanence là. On va ralentir un peu. Peut-être que... Peut-être qu'en ralentissant un peu... Non, j'ai rien dit. Peut-être que c'est mon angle de descente qui est trop violent. Non. Ouais, bon. J'ai l'impression qu'on va un peu vite en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Ralentis un peu. Ah mais j'ai l'impression qu'en fait mon vaisseau me fait la gueule quoi.
Quand je freine le... Ah, ok. Ouais. C'est mes moteurs qui foutent la merde, j'ai l'impression. En fait, regardez. C'est assez chelou. Et de l'extérieur, il n'y a pas de son. Je vais rester à l'extérieur parce que... C'est moins désagréable quand même. C'est voulu. Bah, c'est hyper désagréable. Putain. En plus, regardez, le jeu en plus a du mal. Donc... Alors, on est en mode, là je suis en mode diapo, c'est pas possible. Alors, attends, un truc que je vais faire, c'est au niveau du son, je vais baisser les effets parce que c'est horrible. Maintenant je m'entends plus. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir construire des bâtiments ou louer sur différentes planètes? Autre question, va-t-on être obligé de boire et manger pour nous échanger des crédits avec d'autres joueurs? Alors Shogun, on va prendre les questions une par une. On pourra construire des avant-postes effectivement sur des planètes ou lunes à des endroits autorisés pour ça. Alors ça dépend. Tu pourras soit acheter un titre de propriété pour un lieu par exemple. Alors actuellement on a des titres de propriété qui permettent de poster 4 km² ou 8 km² de terrain. Donc ça sera des titres de propriété officiels que tu pourras revendiquer sur des planètes ou des lunes où c'est autorisé de revendiquer ce genre de terrain. Et là tu pourras construire des avant-postes sur ces terrains-là, avant-postes qui pourront produire des ressources, etc. Et que tu pourras faire sécuriser et tout défendre, voilà, ce sera ta propriété. Donc ça c'est une chose. Est-ce qu'on pourra louer sur différentes planètes? On pourra probablement acheter ou louer des appartements, entre guillemets, des zones d'habitation sur les planètes. Là où tu pourras respawn et là où... merci Tourist Galactique pour le host, merci beaucoup. Le raid, j'arrive pas à voir, mais merci énormément et bienvenue aux 12 viewers. Donc ça sera possible, effectivement. Et est-ce qu'on sera obligé de boire et manger? Alors, obligé, non. Si tu ne bois pas et que tu ne manges pas, tu ne mourras pas. Par contre, si tu ne bois pas et tu ne manges pas, tu auras des malus, entre guillemets, dans le sens où ton personnage aura moins d'endurance, par exemple. Il pourra courir moins longtemps, enfin, etc. Et du coup, si tu manges ou que tu bois, à l'inverse, tu seras en forme, ton personnage sera en forme et aura plus de capacité physique. Et c'est la même chose, par exemple, pour tout ce qui est hygiène. Si tu prends des douches de temps en temps, les PNJ seront un peu mieux disposés envers ton personnage que si tu es un clodo dégueulasse qui pue. Voilà, en gros. Bonne nuit, touriste. Et non, 8 km² sur Arcor, par exemple, c'est assez peu probable, Prieros. Alors là, on va dans un endroit qui est tout blanc. C'est quoi ce nom? C'est blanc de chez blanc. Vive les clodos de l'espace. Alors, je sais pas trop où on est ni où on va, mais on y va. Hein. Est-ce que ça vous dit qu'on se pose quelque part et qu'on voit un peu la gueule des trucs? Et après on essaiera d'aller sur un avant-poste. Peut-être il y a des avant-postes qui ont des noms assez intéressants, je trouve. Il y a un peu de relief là-bas. On va aller se poser à un endroit où il y a un peu de relief. C'est ça, Phoenix. En gros, si t'es plutôt criminel ou quoi, je pense que ça gênera moins. Si tu pues un peu, les PNJ seront moins regardants. Mais si tu veux parler à Constantine Hearthstone, par exemple, il vaut mieux que t'aies pris une douche avant, quoi. Sinon, au mieux, il te dit... il te traite comme de la merde. Au pire, il veut pas te parler, quoi. C'est quoi tout ce monde un dimanche matin, Yoryu? C'est un PTU de la 3.5.
mais la différence de son entre quand t'es à l'extérieur et quand t'es à l'intérieur, c'est ouf. Et la différence de vue également. J'aurais dû prendre ma Nox, tiens. Alors, on va se mettre là, il y a un endroit sympa pour s'atterrir. Alors, le problème, c'est que comme... Ah, si, je vois... En fait, c'est l'entrée atmosphérique où t'as ton interface qui change et qui est buggée, donc ça qui t'indique rien. Et une fois que t'es en atmosphère bien, ça te remet l'interface normale. Bon. Ouh, relax, 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 relax. Alors, là, je vais en arrière. Nope, 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 nope. En avant. Hop. Voilà, c'est bon. Ouh, faut trouver le milieu. Landing successful. Parfait. Non, c'est ici. Ah. Ah, c'est plus H et U maintenant. De rien, Shogun. Même si aussi Planète Jolie, ça me paraît bien différent d'Yella. Ouais, elle a l'air assez différente, donc on va voir ce que ça donne. Alors ça, c'est un bug. D'un coup, j'ai un... T'es réfrigéré chez moi. C'est une soute réfrigérée. Je vais prendre un screen quand même, parce que c'est intéressant comme bug. Je ne pense pas que ce soit fait exprès. Alors c'est intéressant, ça m'a laissé les points. J'aurais dû prendre ma Nox. Bon, c'est pas grave. On peut toujours réparer ça après en allant sur un des. Un des rest stops autour d'Arcorp éventuellement. La femme n'a jamais posé le pied ici avant. Eh, c'est bien différent hein, que de Yela. Au niveau de la glace, fait des espèces de petits. Par contre, c'est un peu relou ça que j'ai tous les trucs qui soient restés affichés là pour les screens. Ah non, pour le screen, il faut que je me mette en même personne. Ça, c'est Lyria Phoenix. La glace a vraiment une tête différente. Elle est bleue. À quand les glissades intempestives sur la glace, à votre avis? Oh, la gravité n'est pas très élevée. Et l'atmosphère n'est 97% d'oxygène. Ah. Un peu d'eau et un peu de NH3. C'est quoi comme gaz ça? Des patins à glace intergalactiques. Trop cool ça. Ou même simplement le fait de marcher sur la glace, de temps en temps tu te casses la gueule, ça serait rigolo. Enfin ça serait chiant en fait, mais ça serait rigolo. Ça serait rigolo 5 minutes. Mon autre question, pourrons-nous scanner des planètes avec nos ordinateurs de vaisseau et aussi pourrons-nous avoir accès au département médical? Alors, scanner des planètes, c'est probable. Ammoniaque, merci Briaros. On se calme le personnage. Pourquoi tu t'excites? Scanner des planètes, probablement, Shogun. Faudra voir un peu comment se passe le gameplay d'exploration et tout. Mais probablement que oui. Je me demande même si c'est pas déjà possible de scanner une planète, mais t'as pas beaucoup d'informations actuellement. On va tester après. On va lancer le scanner, voir ce que ça donne. Et puis, pourrons-nous avoir accès au département médical? Alors, oui, c'est prévu qu'on puisse jouer un gameplay de médecin, a priori. Après, à quel point est-ce que ça sera... Attends, je vais peut-être courir un peu moins, parce qu'apparemment, elle a du mal. À quel point est-ce que ça sera poussé en termes de gameplay? Ça, je sais pas. Mais oui.
c'est prévu que, par exemple, on ait des équipements médicaux, des lits de soins, etc. Je pense que le gameplay médical sera peut-être aussi dans le diagnostic, plus que dans le fait de d'opérer entre guillemets les gens. Après, peut-être plus la blessure est grave, plus t'as besoin d'avoir un gameplay poussé, je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'infos là-dessus, mais c'est prévu qu'on puisse faire des médecins, effectivement. Médecins, ambulanciers, etc. Il y a trop d'oxygène. Alors après, tu vois, on a aussi une pression atmosphérique qui est très basse. Tu vois, on a 0, 0,9 atmosphère. Donc en fait, c'est extrêmement faible comme atmosphère, très ténue. Et c'est pas très respirable, effectivement. Par contre, du coup, c'est comme sur Yela. La réserve d'oxygène se remplit de ton de ta tenue arrive à capter l'oxygène de l'atmosphère et à remplir ses réserves d'oxygène. Il a mon vaisseau 300 mètres, ok. Attends, on va regarder un peu comment est-ce qu'elle se déplace, le personnage. C'est curieux de voir les animations qu'ils lui ont faites. Déjà la faire marcher. Ouais. Ça roule un peu du cul quand même, hein. Je peux pas dire. Ouais, je vais aller chercher un véhicule, Brios. Roule carrément des fesses, quoi, c'est chelou. Ah, puis la course est dégueulasse. Il court comme ça dans la vraie vie, quoi. Alors, par là, c'est moins dégueulasse que de derrière. Ça, par contre, ça c'est chelou. Salut, Draco! Regarde devant toi, merci. On dirait quel courage nous. Un peu. Un peu ça, ouais. Salut Red Tail, ça va? Joli. Alors les gens, on va aller chercher un véhicule. Oui, je pense, Shogun. Je pense. Je suis déjà contente d'avoir un personnage féminin tout court. Je vais pas m'exciter sur les animations. Alors, Red Tails, c'est un peu la frustration parce que le modèle de vol, faut s'y habituer. C'est assez particulier. Assez particulier. Et surtout, on peut pas se poser sur Arcorp pour l'instant. C'est un peu la frustration, mais du coup on va visiter les lunes en attendant. Pas très grave. De dos, on peut facilement identifier la différence entre un homme et une femme, c'est déjà la moindre chose. Ouais, d'accord. Et en même temps, le physique de la femme n'est pas complètement délirant en termes de proportion. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On n'a pas les seins qui gigotent, ça c'est cool aussi. Là je suis sur Lyria Draco. Par contre, elle a des gémissements un peu bizarres. Bah écoute, en atmosphère, il fait beaucoup de bruit déjà. Et surtout, moi ce qui me perturbe, c'est que alors, je joue au TAS et la manette des gaz avant. Quand tu faisais fonctionner tes propulseurs principaux, tout en bas de la manette des gaz, tu étais à l'arrêt, tout en haut, tu étais à 100% de ta vitesse. Maintenant, l'arrêt, il est au milieu de la manette des gaz, au milieu de la course. Et quand tu vas vers le bas, tu vas en arrière. Quand tu vas vers l'avant, enfin, quand tu vas vers le haut, tu vas en avant. Et c'est très perturbant parce que du coup,
c'est beaucoup plus compliqué pour gérer ta vitesse parce que tu as beaucoup moins de précision. Et j'espère qu'ils vont corriger ça et permettre de faire un système de course à 100% dans un sens ou dans l'autre avec un toggle pour aller en arrière ou en avant parce que c'est ingérable là en fait. Tu peux pas du tout être précis sur ta vitesse. Et donc ça c'est valable à la fois en espace et en atmosphère. Et en atmosphère, t'as pas mal de turbulences. Enfin, c'est encore, j'ai pas encore beaucoup volé en atmosphère, donc c'est compliqué d'estimer vraiment comment ça se passe. Mais ouais, le vol en atmosphère est assez particulier. Tu veux dire, c'est pas comme un MMO coréen, c'est ça, VRJT. À terme, une possibilité de variation des boobs, mais sans tomber dans le délirant, serait pas mal. Ouais, oui, je suis d'accord, sans tomber dans le délirant, ça me choquerait pas d'avoir un niveau de gestion du boobs. Alors là, par exemple, là, je vais faire d'avant, je vais foncer comme une tarée, je vais peut-être éviter de faire ça. Après, j'ai l'impression qu'ils sont encore relativement tolérants sur la portance et tout. Par contre, mon vaisseau fait de la merde. Oh! On se calme. Ah là, l'altitude se met à jour. Très bien. Alors, T-Vel, ça veut dire quoi? Et on voit, vous voyez, on voit la planète dans le reflet de derrière moi du dans le dans la verrière. Ah, par contre, ah, bien, en plus, allez. Ah, le truc perturbant, c'est que je suis restée en mode atterrissage là. Et du coup, tu peux aller à des vitesses. Maintenant, le mode atterrissage est indépendant de ta vitesse. Non, en vrai, je suis d'accord qu'il est impossible qu'un freelancer vole dans l'atmosphère. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils ont amélioré la gestion des reflets et du coup, c'est assez perturbant. Et je suis à nouveau en train de faire de la merde, là, je sais pas pourquoi. On se calme, le vaisseau, là, je t'ai rien demandé. C'est trop propre. Mais non, regarde. Y a... Oh putain. Ouais, non, ça se voit moins maintenant, mais il y a des genres de rayures là et tout. Alors, du coup, on va aller. Oh putain, ça par contre. Alors, non, on va aller ici en espérant qu'il y ait un rest stop. Je sais pas si on aura beaucoup de personnalisation, te barre pas s'il te plaît. Comme ça, vu le temps que ça leur a pris juste pour adapter toutes les armures et mouvements de personnages féminins, je vois pas comment on pourrait ajuster les morphologies différentes. Oui, c'est plus que probable, RJT, qu'effectivement on ne puisse pas ajuster ce genre de choses. Ça serait sympa, mais à mon avis ce sera pas le cas. C'est pas effectivement comme dans les MMO classiques où tu ajustes la taille du truc de ta poitrine et que les objets s'adaptent dessus en fait. Ça marche pas vraiment comme ça pour l'instant dans SC. Mais en même temps, ils nous avaient montré dans un des panels de la CitizenCon de l'année dernière, de fin d'année dernière, que justement ils avaient un système de morphing des, notamment des casques et de tout ce qui est trucs qu'on met sur la tête. Pour s'adapter à la forme de la tête du personnage. Donc à voir.
Bah voilà, complètement comme dit Phoenix. Pourquoi j'ai des machins qui sont, des cibles là qui sont indiquées. Bon. Est-ce qu'on a un... Alors, on se calme. On va scanner. Ah, nous avons quelque chose par là. Après, le bruit de ouf que font les moteurs, c'est... En fait, c'est quand... Ouais, ils font un bruit de ouf. Point. Ouais, il faut que je le re-règle. On va ralentir. En tout cas, ça t'oblige à réfléchir un peu plus à tes approches et tout, et à moins te précipiter comme un taré parce que tu freines beaucoup plus lentement quand même. Oula, 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 oula. C'est un peu le fouillis là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon vaisseau juste en dehors de la station, faire spawner la Nox. Et elle a une tête différente, vous avez vu? En termes de configuration. Oh là, là je vais en arrière, ça le fait pas. En avant, en avant, en avant, en avant. Doucement mais en avant. On va se mettre là. Hop. Wheel 0. Non, là je suis un peu en arrière. Là je suis un peu en avant. Et là, c'est là, et c'est là que c'est pénible. C'est trouver l'endroit où je suis à 0. Voilà. S'il te plaît. Je vais juste virer. Fermer les moteurs. Histoire qu'il arrête de s'exciter. Ok. Salut Thomas, on est déjà mardi. Non, on n'est pas mardi. Ouais, c'est ouvert. Ouais, arrêtez, il faut que tu regardes sur ton compte. Si t'as PTU en jaune, c'est que t'as accès. Dans Settings. La question, c'est est-ce que je vais pouvoir commander Manox ici? Ah, j'aimerais bien le black, mais je l'ai pas trouvé. Il y a un bouton pour inverser le sens de thrust, de la poussée, mais il y a pas j'ai pas trouvé de truc qui permet de fixer un point zéro en fait. Bah, Repix à peu près. Alors on sent qu'en termes d'optimisation il y a encore des progrès à faire, mais alors je sais pas si c'est lié au fait que les serveurs sont pas aussi puissants, c'est pas les mêmes serveurs que pour les versions live, ou si c'est simplement que avec Arcorp et tout ça taxe à fond les ordinateurs, je ne sais pas. Mais oui, c'est ça Thomas, c'est des serveurs différents.
Donc je pense qu'ils sont pas, ils sont pas aussi bons que les serveurs live. Ou pas assez, pas aussi nombreux ou quoi. Et du coup... Alors attends, c'est une... Hop, hop. On va attendre que ça. Mais du coup, on sent que les serveurs ont du mal à répondre de temps en temps. Là, par exemple, là, tous mes vaisseaux sont marqués en détruit. Il faut que le serveur réfléchisse un moment avant de dire ah bah non, en fait, ils sont pas détruits. Voilà. Pareil pour afficher ton personnage ou ton vaisseau dans le manager de MobiGlass, ça prend du temps et tout. Enfin voilà. Faire mon personnage, ça a pris 3 plombes parce que du coup il y avait une latence de ouf entre ce que je sélectionnais et puis l'apparition du truc que je sélectionnais à l'écran. Donc voilà. Alors, il va me dire qu'il n'y arrive pas, mais en fait il n'y arrive pas de deux. Pas de deux. Allô? Merci. Oula. Bon, ça va. C'est de la haute nuit, tu es en live. Ça va encore, ça reste relativement décent pour l'instant. Hop. Ouais, Repix. Le live sera plus stable. Probablement. Alors, où est passé mon vaisseau? Il est là-bas. Non, il est pas là-bas. Il est où? Ah, je le vois plus. Merde. Ça, par contre, il faut que je retrouve mon freelancer. Alors, le gravelet a été changé apparemment aussi. Alors, flight ready. Systems activating. Systems on. Ok, alors attends. Il est où mon freelancer? Ok, voilà, ok, c'est bon, j'ai compris. Bien ou quoi? Il est disparu? C'est par là. Merde, il a des pop? Par contre, là, gérer la vitesse de la Nox, c'est un peu une plaie. Avance. Je vois qu'un seul vaisseau, celui qui est posé là-bas. Non, non, je l'ai pas garé, je l'avais juste mis justement en attente en dehors de la station. Mais j'ai l'impression qu'il a été viré en fait. Pouvoir rentrer Manox dedans. Regardez s'il n'est pas de l'autre côté, mais non, il me semblait bien que j'étais de ce côté-là. Nope, pas de freelancer à l'horizon. Est-ce que je peux scanner? Je peux scanner. Il n'y a plus de freelancer. Yeah! Ah, par contre, il y a une... Voilà, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si... Là, on se calme. Oh, ok, là c'est le résultat du scan qui s'affiche 3 heures après. Hein. Voilà, parce que c'est il y a une latence de taré. Très bien. Donc, oh, c'est quoi ça là-bas? Cape Goat, non. Ça, c'est un vaisseau qui est tout seul. Il n'y a pas mon vaisseau à moi.
Bah écoutez, on va se garer. Et on va voir si en prenant... Please proceed to assigned landing bay. Arrête de reculer. Allez, allez. Inconnu. Landing complete. Have a pleasant stay. Ok, alors. Engines off. On va juste faire engines off. On va sortir. Bah si d'aller récupérer un freelancer, ce sera pas le même parce que s'il va y avoir un claim qui va durer un peu, donc on va prendre un autre freelancer ou un autre vaisseau d'ailleurs. Il dérive, non? Je pense qu'il était immobile, hein, j'avais éteint les moteurs et tout. Pas de 2. La tête de Siri, quoi. Ah, je crois que je suis arrivée. Alors, voilà, hop. Donc on va réessayer. Cette fois, on va essayer de faire spawner. Stored sur Lyria. What the fuck? Relocate. Faire. Your ship has been delivered to the following landing pad. Le boss final de Squadron 42 dans les fenêtres en bas à droite du stream, c'est ça. Our automated system is unable to access that ship at this time. Il va y arriver quand même. Please try again later or select a different ship. Ah merde, ça me l'a mis au même endroit que ma Nox, mais non quoi. Oh putain. Bon, Freelancer est là. On va retenter la Nox. La Dragonfly Star Kitten, allez. On va tenter la Dragonfly Star Kitten. Your ship has been delivered to the following landing pad. Il me dit pas de 2, je serai pas contente. Oh. Attends, je sens qu'il me... Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, j'ai les deux. Là, j'ai les deux. Ah, putain, tu me sélectionnes le pas de 2. Merci. Là, j'ai les deux en vue. À quand un fond vert pour le chat? Et j'y réfléchis, tu sais, à mettre un drap vert sur son coussin. Alors, attends. Bah, du coup, j'ai la Dragonfly et le Freelancer. Non, sérieusement, regardez. Il est réapparu là. Là où je l'avais laissé. What the fuck? What the fuck? Ok, c'est pas grave. Hello and welcome aboard your Drake Interplanetary Craft. Your systems are online. Relax. En doucement. Où est-ce que je vois la... Ah ok, la vitesse ne se met pas à jour sur le truc. Très bien. Faut deviner la vitesse. Oh putain, ça va être chaud. Chaud, il est marrant. Je veux aller doucement vers l'avant, s'il te plaît, le jeu. Doucement! C'est injouable.
Ah, dès que tu veux être précis, c'est une horreur. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, stop, 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 stop. Voilà. Hop. Ouais, mais non, je devrais pas avoir passé au clavier souris pour la précision, je suis désolée, mais c'est pas possible, quoi. Ah, disons que le zéro est au milieu du throttle, ce qui, vu que je ne sais pas où exactement est le milieu de mon throttle, c'est assez compliqué à gérer et que du coup. Et soit tu vas à toute vitesse, soit tu vas. Ah, c'est bon, j'ai réussi à trouver une vitesse lente. Allez, s'il te plaît, rentre dedans tranquillement. Ah non. Ok. Ah bah, le vaisseau est parti. Ok. Bon, bah voilà. Voilà. Très bien. Compliqué. On y a cru, c'est ça. On y a cru jusqu'au bout. Est-ce qu'on réessaie? Putain. Attends, faut que j'arrive à m'arrêter. Voilà. Je vais laisser tourner. What? Mais comment? Pourquoi? Mais comment je me retrouve là? Oh là là, il y a des dessins crocs de ouf en fait. Alors, vous savez quoi? Le plus simple, c'est peut-être d'aller dans un avant-poste et de faire popper un truc là-bas. Un véhicule. Je sens qu'on va galérer sinon. En fait, ça va juste être pas possible. Ils ont implanté la téléportation. Alors, je ne sais pas. Vu que je n'ai pas d'interface, est-ce que je me suis blessée? Donc, ça a l'air d'aller. Parce que oui, quand tu es un personnage féminin, tu n'as pas le droit de savoir comment tu vas. C'est censé être instinctif. Donc on va reprendre un vaisseau. Hein? On va prendre un vaisseau qui vole à peu près en atmosphère, vu qu'on n'est pas loin des. Et puis on va se poser quelque part et dans un avant-poste et commander un véhicule. Voilà. Ça sera plus simple parce que visiblement, faire les choses compliquées, c'est compliqué. Pourquoi je vois Globenaut à l'autre bout de l'univers là-bas? Il a disparu. Bon. Alors du coup, on va prendre un truc tout con du genre un Gladius. Allez, s'il te plaît. Merci. Ça devrait voler à peu près correctement en atmosphère, Gladius. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ressemble à un avion. Pas totalement délirant de se dire que ça va voler correctement. Allez, s'il te plaît. Ah. Pas de deux, merci. Oh tiens, nous avons un truc qui a disparu ici. Si Gladius ne vole pas, il n'y a rien qui vole. Alors, pour être honnête, mon freelancer volait correctement quand même, faut pas exagérer, mais je pense qu'avec un Gladius, on va réussir à s'amuser un peu. Allez, s'il te plaît, le jeu.
Il devrait être là, c'est là d'où je viens. Et là, on a perdu l'ascenseur. La station s'est fait démolir derrière le hangar 1 là. Je crois que le, enfin, je crois que le serveur est en PLS. Alors oui, c'est la Arc Arc L1, enfin c'est le la station qui est autour d'Arcorp au niveau du point de Lagrange 1, je crois. Et je pense que nous avons un serveur qui meurt. Voilà. À mon avis. Alors je me dis, peut-être... Enfin, c'est une mauvaise idée, ça. C'est une très mauvaise idée. Alors après, tout à l'heure... Waouh, Inception. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là, oh là, oh là. Et non, il était là en fait. Voilà. Ah. Il y a des bugs chelous. Il y a en fait, il y a deux portes, ça c'est bizarre. Alors, hop, il va, mon petit Gladius. La Dragonfly est disparue, hein. Comme on s'y attendait. En fait, il y a tout. Et je crois que ça, là-bas, c'est les gens qui sont sur le serveur. Ils sont tous dans un point. C'est assez étrange. Salut Mio. Alors. Oula, oula. Qu'est-ce que... Comment j'ai mis mes jambes là? Ah, c'est bon, j'ai eu peur. Combat assist activated. Systems green. Systems green. Launch complete. Alors, doucement. Ok. Donc. Bon, on a vu un Pulyria, on va aller voir Walla un peu, voir quelle gueule ça a. On va éviter de se foutre dans l'astéroïde. L'avion de chasse galactique, c'est ça, Thomas. Bah écoute, on peut en penser ce qu'on veut, mais au moins, il devrait à peu près correctement se comporter dans l'atmosphère. Voilà la lune terroriste. Alors, on a vu Lyria tout à l'heure, Mio, un petit peu. Donc là, on va aller voir rapidos à quoi Walla ressemble. Et éventuellement, on pourra retourner sur Lyria plus tard. Salut le gado, comment ça va? Pas trop de crash? Non, pas de crash, par contre, des synchros de taré. Et le serveur fait des choses bizarres. Alors on voit Arcorp tout au bout là qui commence à se dessiner. Ils font pas ça sur Star Wars The Republic, les combats en vaisseau. Alors il y en a en fait, j'ai découvert ça. Il y a du combat contre avec des espèces de missions qui sont un peu d'une espèce de rail shooter. Et après t'as du combat PVP entre vaisseaux et ça j'ai pas encore essayé pour le coup. Je connaissais pas ça. Alors, hop. Et voilà, et de l'autre côté. Danger. Engines overheating. Quantum travel initiated.
Danger. Engines overheating. Et puis, Star Wars The Republic, il est pas si mauvais, Brieros. L'histoire est sympa, quand même. En termes de gameplay, il a pas grand intérêt, effectivement, mais le... toute la partie histoire est quand même cool. Je trouve qu'on s'approche... je trouve que le Quantum te ramène genre vachement près des lunes, quand même. Alors, attends, du coup, on a Arcorp Mining... Putain, il y a que ça, ici. Il n'y a pas le moindre avant-poste où on va tester un des avant-postes. Hein. Je sais pas si on pourra louer un véhicule, mais par contre, ouais. Par contre, il me saoule un peu comme tout à l'heure. Où je ne pouvais pas sauter sur les... On m'a fait ça à Carcorp tout à l'heure. Peut-être parce que je suis genre... Non, ça me dit d'aller où là ? Arcorp, ça me remet à Arcorp, ça c'est chelou quand même. Lyria. Tu veux bien me permettre d'aller par là, non? Non. Hmm. Lui a l'air d'être plus ou moins par là, mais alors c'est dans la nuit. Alors vous savez quoi? Ouais, je peux pas, ça c'est étrange. Je peux pas, bon. Est-ce que j'ai des OM au moins? Où je pourrais me mettre? J'ai même pas les OM? Ah, attends. Ah, puis le dézoom est une plaie. Alors. Ah, puis les. Les trucs sont indiqués comme étant au centre de la planète, c'est parfait. Ok, donc là ils vont devoir nous gérer un peu ça, parce que c'est pas possible. Ouais, j'ai fait un jump. Maintenant, jump sur la planète, c'est une autre histoire. Bon. Tant pis, on va y aller comme ça. Hein. Ah, ça y est, ça veut bien. En fait, fallait bouger un peu. What the fuck, quoi. Alors attends, on va plutôt aller sur l'OM4 de l'autre côté, là. What? Ah bah voilà. 30 000. Bon, ça c'est fait. On n'a plus qu'à refaire le trajet vers Arcorp. C'est tout. Salut, Lumlam. T'arrives et ça plante. Je dis, il n'y a pas de coïncidence. Ouais, je pense que c'est les serveurs qui sont morts là. Alors, attends, ouais. Le jeu n'a pas l'air de vouloir se défaire tout seul, donc on va le forcer. Hein, faire un petit verify des fois que. Moi je profite des quêtes, Thomas. Pour le coup, je Star Wars Republic, je le joue que pour les missions de personnages et les missions principales des zones. Bref, j'ai joué, c'est ça, DLL. Le 34 tombe très souvent sur cette version. Bah, je pense qu'à coup, en fait, les serveurs PTU sont pas aussi stables que les serveurs live. Peut-être pas aussi nombreux aussi que les serveurs live. Du coup, je pense qu'ils tombent vite en PLS. T'as une aura électromagnétique de ouf, c'est ça. Pareil, Amiral Drew. Ça s'est figé lors de la validation. Et je sais, en fait, je sais même pas si ça a pris en compte du coup le personnage que je m'étais fait. Ou si ça m'a fait un personnage par défaut. J'ai même pas regardé. Alors. Alors oui, les gados, on peut aller sur Arcorp, etc. Seulement, on peut pas s'y poser. Ça marche pas. Du coup, je me suis posée en haut d'un immeuble.
Et je suis sortie de mon vaisseau, j'ai pris 2-3 screens, et après je suis tombée dans un trou invisible et je suis morte. Voilà. T'avais pas la même tête, ouais. Je crois que mon personnage n'a pas la même tête que ce que j'avais décidé non plus. Mais bon, pas très grave. Pas un drame. Mais de toute façon, un truc par contre qui m'a horrifié, c'est qu'il n'y a pas de coiffure pour les femmes, quoi. Du coup, t'as la même coiffure que pour les mecs et c'est absolument immonde. Et du coup, en pratique, je sais pas si j'ai la tête que j'avais décidée ou si... Non, c'est la tête de base. C'est la tête par défaut, ça. La couleur des cheveux n'est pas celle que j'avais décidée. Et la couleur des yeux non plus, il me semble. Je vais voir. Regardez, les serveurs sont en PLS. Regardez, le temps qu'il faut pour que ça affiche mon personnage. Oui, c'est ça, Thomas, complètement. Hein. Pas un drame. Il y a des bugs et tout. L'important, c'est de les faire remonter. Voilà, là, ouais, mon personnage s'est affiché. Ouh. Alors du coup, fais voir. Je vais juste virer 2 secondes le casque. Ah, ça l'a pas pris en compte. Mais vraiment 3 heures, quoi. Bon, écoute, tant pis. Hein. La question, c'est est-ce que ça va me le prendre en compte au moment... à un moment inopportun ou... où je pense que j'ai mon casque sur la tête, parce qu'évidemment, en plus, quand tu es une femme, tu n'as pas d'interface sur ton casque. Oh, mon Dieu! Voilà, là, j'ai plus mon casque. Là, j'ai plus mon casque, et effectivement, c'est la tête par défaut. Et en plus, elle fait la gueule. Pas celle que j'avais faite. Regardez, elle vous aime pas. Et du coup, j'ai une interface quand j'ai plus mon casque, et je ne l'ai plus quand j'ai mon casque. Parfait. Ah merde, excusez-moi les gens. J'avais zappé que j'allais changer de scène. Voilà. Pardon. Voilà, voilà, vous avez la tête du personnage. Et donc c'est pas celle que j'avais faite. Et je sais pas pourquoi elle est bloquée dans une expression assez désagréable. Donc bref, on va remettre le casque, hein. Apparemment, même niveau fringue, il n'y a pas encore tout compatible. Après tout, il y a fait des décennies pour que les femmes aient le droit de vote IRL. Soyez patient pour avoir droit en jeu vidéo. Le cadeau.